Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Alors donc sur l'hypercharge, il y a eu une nouvelle mise à jour mardi. Donc du coup en fait on était chez le patch avec le Spike, sauf que c'était pas encore disponible. Mais voilà, aujourd'hui il est disponible. Voilà. Il n'y a pas encore le pack de Jackie. Là je vais montrer un mec de Sequence Fire. C'est un mec avec Spike en fait. C'est lié au fait que son hypercharge n'est pas disponible dans le jeu. Du coup ça marchait avec Jackie que son hypercharge n'est pas encore disponible. Alors si vous faites ça, voilà c'est bugué. J'espère qu'il doit marcher maintenant que c'est dans le jeu. Quoi, ils ont changé les choses sur le jeu en fait. Afin de changer des trucs comme ça, ils ont. Comme l'hypercharge c'est devenu niveau 1. Voilà. Du coup ils ont déplacé un gadget, enfin l'équipement du moment de niveau 8. Et puis un truc aussi qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié toutes les stats, genre ils ont. Genre en fait avant on gagnait plus 5% de stats à chaque niveau, on gagnait plus 10% de stats, ils ont doublé l'écart entre les niveaux quoi, c'est abusé. Je trouve ça pas ouf déjà parce que ça modifie toutes les stats, genre on connaissait toutes les stats et maintenant là, ils ont tout chamboulé quoi, en plus il faudra rééquilibrer tous les trucs, tous les pouvoirs ça et tout. Et en plus pas ouf pour les nouveaux joueurs parce que du coup ils sont plus faibles dans les faibles. Donc voilà. Donc l'hypercharge c'était il y a deux paquets, le paquet avec 10 gemmes, 59 gemmes c'était quand même un peu abusé, t'as 9600 pièces. Bon c'est assez abusé aussi mais moins abusé. Surtout qu'on a plein de pièces comme moi là avec la mise à jour, ils ont eu plein de pièces avec les équipements donc voilà. Faut que c'est tout le monde les utiliser. Surtout qu'il y aura aussi acheter des équipements pour plein de rouleurs et tout. C'est le moment où j'utilise les pièces. Et voilà, j'achète tous les packs hyper chargés, hein. C'est que celui-là pour cette mise à jour en tout cas. Mais c'est quand même cool pour ça fait des trucs exclusifs, donc voilà. Hop aussi. Dans la base j'ai commencé à faire le truc vision hyper charge. Parce qu'il y a quand même il y a le défi, je montre c'est hyper charge. J'ai fait quelques games mais plus au début là, le jeu il y a de ouf, j'ai tant pis. Hein. Ouais bon apparemment il a essayé de bugger aussi au jeu. Bon, tant pis, le screen veut pas là. Voilà. Ce l'éthique mais là je suis obligé. Parce que ça fait des icônes animées quand même, c'est très facile. Voilà. Ah oui d'ailleurs je sais plus si j'avais montré mais j'ai eu Spike Robot dans Freestar, c'est fou. Et après c'est un skin que j'aime beaucoup, hein. Que j'aime toujours beaucoup, mais bon je préfère quand même le Spike Super Super, mais du coup je l'ai mis en rotation. Voilà. D'ailleurs j'ai acheté un. Et aussi un nouvel équipe un gadget en plus. C'est pour ça que j'ai plutôt prendre la vie. Allez, c'est parti. Donc ouais, il y a le défi hyper charge où en fait on joue en boule aléatoire, même Pearl du coup. Et moi comme il n'y a pas de chance, je tombe sur boule. Voilà, ça c'est le nouvel environnement. En fait, l'environnement de Shelly, Spike et Colt. Alors, pas pourquoi ils ont besoin d'un nouvel environnement alors qu'il y avait déjà un environnement de base du jeu, c'était lui, je pense. Ah, il a pas son hyper charge le Spike. Donc, l'hyper charge, ça, Spike, ça charge comme le super, mais franchement. Alors, environ 2,5 fois plus longtemps. Il a eu de la chance. Donc, le hyper charge Spike, ça lui permet d'avoir un super qui est plus grand.
C'est assez cheaté, surtout que on peut... enfin, il y a aussi l'équipement là qui est hyper cheaté, qui permet de ralentir de ouf les gens dans le super. Mais... alors que là c'est une machine à guerre sec. En plus c'est pas cher, ça booste les dégâts, ça booste la vitesse, ça booste. Par exemple là... là il est tellement... non mais sérieusement. Voilà, un bon vieux super prêt hyper chargé, ça le fait aussi. Ah oui, ça c'est une percharge tellement inutile. En fait, c'était... je sais pas, dans ma tête il était plus tard, c'est vraiment. C'est chaud là en fait. Bon là je sais que les bienfaits d'Angine c'est plus défensif peut-être que le front du dernier. Le fang il est mort ou pas? Je crois qu'il est toujours là hein, en plus. Ah non il est mort. Je viens de réaliser, j'ai oublié de mettre mon emote super chargé. Non, vraiment, j'achète un truc avec des trucs exclusifs. Par contre, le truc c'est qu'ils ont mis que 6 voleurs en hypercharge. Alors, j'aime bien que ça prend un peu du temps de développement de faire des hypercharges. Hein. Enfin, pas vu que ça fait un effet spécial. Mais ils ont pu au pire remettre la première jour et attendre d'en développer plus. Parce que les 6 voleurs vont. Après ils ont mis sur le rôle un peu pété, genre Jacques qui boule, même hyper chargé, ils vont pas péter le jeu. Et voilà. Mais bon, j'espère qu'ils mettront pas 6 par 6 parce que là ça va être méga long. En plus, ouais, ça... enfin, ça va être méga long maintenant. Avant que le jeu soit vraiment publié, ça va prendre au moins 2 ans. Bon, c'est bien de les mettre un peu plus rapidement que les prochaines hyper chargés. Alors là, je vais rincer. Ah, ça y est, super chargé. Et j'ai fait de la merde. Voilà, là les relations sont super saiyan quoi. Attends.
Attends, la Meg, elle s'est fait éteindre. Elle a perdu sur une en 2 secondes. On va vraiment parler d'hyper charge. Je pense que on va essayer de faire des. Enfin, tout le temps, j'essaie de faire des concepts d'hyper charge pour tous les joueurs. C'est peut-être une vidéo du coup. Est-ce que tu des concepts? Non, mais c'est une blague. Non, mais attends, là j'étais dessus, monsieur l'arbitre. Comment ça, ça passe pas? Mais c'est que l'hyper charge, ça passe pour le coup. C'est vraiment la limite de la limite. Non mais, ah oui, par contre l'hypercharge, je trouve que des fois le bouton, bah là j'étais sans. Dans ma tête j'ai cliqué dessus moi. Puis encore des fois aussi, surtout je vois pas que l'hypercharge en plus. Bon, adieu mec, et double là. Non mais, et par contre c'est quoi mes outils là? Comment ça je touche personne? Non, par contre, c'est moi qui suis une hyper charge, les frais pas. Le but dans cette vidéo, ça va être d'arriver à mettre un outil de hyper chargé au foyer. Quoi. Je me demande aussi si le pack de Shelly va sortir quand, parce que Shelly en fait c'est une charge en la dans le défi. D'ailleurs oui, j'ai vu des gens qui ont terminé le défi qu'elle meurt pas Shelly, donc hein. Moi comme j'ai la flemme de la mémoire, je joue pas et ça va aussi une charge, mais je joue pas la mémoire. Et voilà. Je vois du coup comme le pack dans le défi, il faudra pas qu'on gagne les émotes et tout avec, parce que est-ce qu'il sortira à un moment, parce que elles existent hein, les trucs de Shelly. Les émotes de Shelly, elles existent en fait. Donc je sais pas. Ça sera plus tard. Non mais... Et en plein niveau de compétence, c'est pas possible. Ouais, si vous voulez acheter, ça va être des prix un peu cher, c'est merde. Non, il doit être encore plus faible, vu que ses PV ont pas augmenté ce genre de trucs, il faut pas équilibrer plus tard en fait. Tiens, maintenant il doit se faire one shot tellement facile. Enfin, encore plus, sinon, quand même. J'aime pas charger une hyper charge du match, quoi. Move!
Ah mais j'ai pas vu que le long laissé là. Ok, j'ai l'hyper charge, on va pas pouvoir faire de la merde avec. Ça fait vraiment de la merde, c'est pas incroyable mais moi je fais la merde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo hyper charge. Alors, juste un truc, normalement après vidéo sera lundi pour la nouvelle saison et du coup pour le skin de Zoligo qui est magnifique. Juste un truc, c'est peut-être une vidéo entre temps. J'hésite encore. Mais en fait en ce moment là il y a les skins de l'Olympo Shop. Alors je peux pas les mettre en promo. Je cherche sur la skin, je peux pas les voir que je les ai déjà. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui c'est petit qui me semble. Ils ont fait les 3 sauf Nania Rest. Donc aujourd'hui c'est cette Nania Rest qui veut sortir. A 149 gemmes et 199. Et franchement les guides franchement lâchés vu que. Bah, on faisait les magnifiques. De toute façon, c'est un signe que j'achèterai un moment ou un autre. Est-ce que le fait sans promo serait pas le moment d'acheter? Je sais pas. Parce que je suis pas sûr qu'il y aura une meilleure promo de sitôt quoi. Peut-être. Je verrai. Ok, ouais, j'espère que la vidéo soit plus et à plus.